Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'une manœuvre super complète qu'on appelle généralement le demi-tour en trois temps. Donc demi-tour en trois temps parce que souvent il suffira d'avancer, de reculer et de repartir. Mais ne t'en fais pas, si jamais ton demi-tour tu le fais en cinq temps, évidemment il n'y aura aucun problème et l'inspecteur ne t'en tiendra pas rigueur. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache que je m'appelle Anthony et que je suis moniteur d'auto-école maintenant depuis plus de 10 ans et qu'aujourd'hui j'ai la chance aussi de diriger ma propre entreprise. Merci à ceux qui sont aussi fidèles parce que ça fait quelques semaines que je reçois des messages comme quoi vous avez réussi votre permis de conduire et pourtant vous êtes encore sur cette chaîne parce que vous continuez à apprendre et je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à vous que la chaîne évolue de jour en jour. Donc le demi-tour en trois temps, en quoi ça consiste? Au fait, tu t'es pas aperçu d'un truc? Et ouais, hein, la qualité sonore, ça y est. J'ai enfin compris, 2 ans après mes recherches, j'ai compris pourquoi ma qualité audio était mauvaise. En fait, c'est en regardant bêtement un montage vidéo sur YouTube que j'ai trouvé la solution. Donc aujourd'hui, ne t'en fais pas. La qualité audio va être au top, comme dans cette vidéo d'ailleurs. Et je m'excuse encore une fois d'avoir fait des vidéos avec parfois un son qui n'était pas toujours de grande qualité. Mais comme je vous le dis souvent, je suis autodidacte, j'écris mes propres vidéos, je les tourne tout seul, je les monte tout seul et j'apprends tout seul de jour en jour. Donc je suis désolé si des fois la qualité audio n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, ça change parce que comme vous, j'apprends de jour en jour. Alors dans cette vidéo, en fait, on va faire assez simple. Je vais d'abord vous montrer le demi-tour en sécurité. Ensuite, je vous montrerai la caméra directement sur les pédales parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et ensuite, j'essaierai d'en faire un troisième dans une rue où, un peu comme d'habitude, je vais essayer de me chercher les ennuis et de faire un demi-tour là où évidemment c'est autorisé, mais là où il peut y avoir quand même pas mal de circulation. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mettez un pouce bleu en tout cas si vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à la chaîne. On y va tout de suite. Allez, on y va tout de suite. Du coup, je mets le moteur en marche. Et donc, je suis sur un parking ce matin où il y a un petit peu de monde. Je vais sortir de ma place. La D-Blue, je vais le mettre bientôt. Allez, on est parti. Alors, ben, sur les parkings, il faut respecter le sens de circulation. Donc là, je vais à gauche. Hein, du coup, je fais attention à ne pas couper. Et là, normalement, je suis prioritaire. Ok. Allez, je vais à gauche aussi. Donc, même s'il n'y a pas le panneau du stop, ben, je m'arrête quand même, hein, puisqu'il y a la ligne. Voilà. Donc, je m'avance juste un peu pour mieux voir. Hein. Et donc, sur les parkings, on fait quand même attention à respecter le sens de circulation. Donc là, je m'engage. Et pourquoi je me permets de m'engager? C'est tout simplement que vous l'avez peut-être vu à la caméra, mais à droite, les gens avaient un sens interdit. Donc du coup, je me suis avancé en sécurité, évidemment, mais je me suis avancé. Donc là, je vais partir à droite. Voilà. Et je vais pas tarder à aller faire un petit demi-tour, comme annoncé précédemment dans la vidéo. Alors, il n'y a personne, on y va. Ok. Alors d'ailleurs, pour ceux qui connaîtraient la ville dans laquelle je suis, pas très loin de Pau, par exemple pour mes élèves ou ceux à proximité, donc là il y a une priorité à droite. Hein. Voilà, je vais aller faire ben, un demi-tour là où généralement on aime bien le faire en permis pour plusieurs raisons. Donc à droite du coup au rond-point, là j'ai une visibilité parfaitement dégagée, la dame ne traverse pas. Voilà, et petit angle mort par habitude. Voilà, donc là par exemple, je vais faire un demi-tour. Donc je vais venir m'arrêter, toujours pareil, en sécurité, à droite le long du trottoir. Et là, je fixe pas longtemps le trottoir, mais je vais plutôt regarder la voiture devant moi et s'il faut, ma distance latérale par rapport au rétro. Donc le plus important sur un demi-tour, c'est quoi? C'est avant tout, du coup, de faire la manœuvre en sécurité. Donc qu'est-ce que j'ai fait au préalable? J'ai bien mis surtout mon clignotant à droite. Parce que si quelqu'un arrive autour de moi, le but, c'est surtout de laisser passer les gens. D'accord? Alors, là, le mieux, c'est tout simplement de vérifier autour de moi. Voilà, que personne n'arrive. Et si personne arrive, à ce moment-là, je vais mettre mon clignotant à gauche et je vais manœuvrer en toute sécurité. S'il faut, je rejette encore un coup d'œil autour de moi. Le but d'une manœuvre, c'est certainement pas d'aller rapidement au niveau de l'allure. C'est vraiment d'aller doucement. Là, je vérifie qu'autour de moi, il n'y ait personne. Clignotant à droite, puisque je recule à droite. Et je vais reculer, tourner à droite.
en regardant derrière et autour de moi puisque je ne suis pas prioritaire. Donc par rapport au demi-tour, j'ai le droit évidemment de m'appuyer contre le trottoir, par exemple là. Je me suis appuyé contre le trottoir, je ne suis pas monté dessus. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que vu que je ne suis pas prioritaire, si quelqu'un arrive, en réalité, il a la place de passer. Si je me retrouve au milieu de la route, à ce moment-là, il n'a plus la place et ça devient dangereux. Donc je revérifie une nouvelle fois, clignotant à gauche, et j'avance, je tourne, en regardant où j'ai envie d'aller. Voilà, maintenant du coup je vais à nouveau m'arrêter à droite le long du trottoir pour cette fois-ci faire la manœuvre en regardant les pédales. Alors, au niveau des pédales, il va se passer ceci. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les manœuvres, je les fais surtout à l'embrayage. Maintenant, si je me servais un petit peu de l'accélérateur, il n'y aurait pas de problème là-dessus non plus. Donc je vais enclencher ma première vitesse. Voilà. Toujours pareil, je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Et là, en fait, du coup, je ne peux plus mettre le clignotant à gauche parce que vous ne le voyez pas à la caméra, mais en fait, quelqu'un arrive juste derrière moi. Donc en réalité, je vais laisser passer la voiture. Voilà, j'ai le clignotant à droite parce qu'une voiture arrive ici. Ok. Et si je reviens à mes pédales, là, donc je mets mon clignotant à gauche, je lâche le frein et je joue en fait au point de patinage. Là, si jamais je vais vite, j'appuie, je freine. D'accord? Ce qu'il faut surtout éviter, c'est freiner et embrayer. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Je dis à ma voiture d'être arrêtée et je vais lui dire d'avancer. Alors à la limite, si je lâche le frein et que ma voiture recule un peu, pourquoi pas avoir le point de patinage ici? D'accord? Donc je tiens ma voiture au point de patinage, j'ai le clignotant à gauche et j'avance, je tourne à fond mon volant à gauche. Si jamais je vais vite, j'appuie, je freine. Donc je vais m'avancer contre le trottoir, j'avance un peu. J'appuie, je freine. Là, je mets mon clignotant à droite, ma marche arrière. Je vérifie autour de moi que personne n'arrive. Et de nouveau, je suis au point de patinage, mais cette fois-ci en marche arrière. C'est la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Voilà, je vais jouer à l'embrayage. J'appuie et je freine. Donc, je recule à peine un tout petit peu plus. Voilà. Là, je laisse passer quelqu'un parce que quelqu'un arrive pendant ma manœuvre, clignotant à gauche. Et de nouveau, qu'est-ce que je fais? Là, je ne me sers pas du frein parce que je suis appuyé contre le trottoir. Ça veut dire que j'avance au point de patinage. Si je vais vite, tout de suite, j'appuie, je freine. En fait, je remonte au point de patinage, ici, et mon volant est tourné très rapidement. Si je vais vite, j'appuie, je freine. Souvent, vous vous compliquez la vie parce que vous freinez, votre point de patinage est trop haut. Quand vous lâchez le frein, la voiture gagne trop d'allure. Voilà. Maintenant, je vais repartir et on va essayer d'aller se faire un demi-tour dans une rue peut-être un peu plus compliquée, là où il risquerait simplement d'y avoir un tout petit peu plus de monde. Donc là, je fais attention à bien viser là où j'ai envie d'aller, puisque les voitures sont un peu garées n'importe où. Et pour faire preuve d'un peu d'anticipation, je vois à l'avance une voiture mal garée, mais de rétro, le clignotant, je m'écarte déjà. Surtout, je réduis l'allure parce que si quelqu'un arrive, je dois m'arrêter. Et là, je vais à gauche au stop, donc du coup, les deux rétros. J'ai bien remis mon clignotant s'il saute, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et je m'arrête à la ligne blanche. Alors, premier danger toujours à gauche, je vérifie quand même sur les côtés. S'il n'y a rien, je vise et je tourne. Bon, je vais essayer de voir où est-ce que je peux me chercher les ennuis. Donc là, c'est 30, je suis à 31. Derrière, ça va. Pas bien l'excès de vitesse. Allez, on va essayer de se chercher une rue avec circulation. D'ailleurs, je sais où je vais aller. Donc là, je vais à gauche, les deux rétros, le clignotant, le placement. Voilà. En face, ça va. Je vérifie quand même si je suis prioritaire. Ok, personne sur les côtés et j'y vais. Alors déjà, j'ai vu à droite un vélo, d'ailleurs qui fait de la roue arrière. Donc du coup, j'ai encore plus ralenti, on ne sait jamais. C'est pas que je doute de ses capacités, au contraire, mais je reste vigilant, je suis conducteur. Il ne faudrait surtout pas l'accrocher. Allez, je vais tourner à droite, les deux rétros, le clignotant. Premier coup d'œil, je surveille devant. Et deuxième coup d'œil. Angle mort.
Et là, voyez, par exemple, une situation comme celle-là, si jamais j'étais en permis, ben, on ne me dira pas où aller. Parce qu'en fait, il y a un sens interdit en face. Donc, je vérifierai tout seul mes rétros, je mettrai tout seul mon clignotant à gauche et je me débrouillerai tout seul comme un bon conducteur. Allez, un petit angle mort. Personne cachée derrière le montant de ma voiture. Et on est parti. Alors dimanche matin, 11h du matin, moi je pense que dans un centre commercial, dans une zone en tout cas commerciale, il peut y avoir du monde. Allez, on va tester ça. Alors un stop, tout de suite je surveille derrière, puisque mon arrêt dépend de ce qui se passera derrière moi. Et je m'arrête à peu près à la ligne blanche. Et là, souvent, quand il y a un stop, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, on se penche un peu. Voilà, s'il y avait quelqu'un, je me rarrête. Hein. Puis, on est parti. Monsieur Anthony permis, nous pendrons à gauche. Les deux rétro, le clignotant, le frein là deux. Je monte droit, je vise et je tourne. Bon, ensuite, on va s'arrêter à droite pour faire un demi-tour. Alors, je vais m'arrêter juste ici. Hop, et je vais faire ma manœuvre. Donc la manœuvre, évidemment, on la fait en sécurité. Donc comme tout à l'heure, je vérifie autour de moi le clignotant. Je vais tout doucement remonter au point de patinage. Par contre, vous avez vu, mon volant, il est déjà bloqué. Hein, d'accord ? Donc si j'ai un doute, hop, je revérifie. Parce que des fois, bah, les gens, ils arrivent vite. Là, si je vais vite, j'appuie tout de suite mon embrayage, je retiens avec le frein. Vous voyez, je vais me baser en fait par rapport aussi au côté. Là, si je regarde ici, je vois pas grand-chose. Hein. D'accord ? Hop ! Allez, du coup, là, j'ai pas besoin du frein parce que je suis contre le trottoir. Du coup, marche arrière, le clignot à droite. Et là, évidemment, si je tourne d'abord mes roues, je vais me casser carrément la direction de la voiture. Donc, c'est pas mal d'abord de reculer et de tourner à droite. Voilà. Donc je vais tout doucement, ok, je vais vérifier autour de moi, je vérifie derrière, et je retiens avec le frein. Voilà. Pour repartir, bah cette fois-ci clignotant à gauche, je vérifie bien autour de moi, et s'il n'y a rien, on repart. Voilà. Donc en fait, je vais doucement avec mon point de patinage et rapide dans mes mains. Bon, du coup, les gens, je suis désolé, mais vous avez vu, il n'y a pas eu grand monde. Mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il y a deux erreurs qui ressortent souvent au niveau du demi-tour. Soit on ne laisse pas passer les gens, et à ce moment-là, on tombera dans le refus de priorité. Soit, malheureusement, vous allez trop vite et vous montez sur le trottoir. Donc, surtout que les choses soient bien claires. Vous pouvez vous appuyer contre un trottoir, il n'y a pas de problème. Vous ne devez pas monter sur un trottoir. Pourquoi ? La différence, elle est simple. Les trottoirs, d'après vous, c'est réservé à qui ? Aux piétons. Ça veut dire que si je monte sur un trottoir, j'ai 0% de sécurité. Ça veut bien dire que s'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais percuté. D'accord ? Je m'appuie sur un trottoir s'il faut, je ne monte pas dessus. Faites votre manœuvre en sécurité, c'est le plus important. Et surtout, gérez bien ce qui se passe autour de vous. Allez doucement au point de patinage et allez rapidement dans votre volant. De toute façon, si on résume, les manœuvres, c'est quoi ? C'est tout doucement au niveau de l'allure et c'est très rapide au niveau du volant. C'est toujours ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu si c'est le cas, partagez aussi si vous voulez faire preuve vous aussi de générosité et si ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les gens !